Bonjour à tous, c'est Blitz61 et aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de Resident Evil Gaiden, le chapitre 3. Toujours en découverte, j'ai essayé de regarder sur internet mais j'ai pas trouvé la solution parce qu'en fait le mec, il arrive à ouvrir la porte où il y a Lucien, enfin la première porte du moins. Après encore une fois, comme je vous ai dit, je me suis pas spoilé, enfin j'évite en tout cas, et du coup il a chopé une clé barre qui sert à ouvrir cette porte, sauf que cette clé moi je l'ai pas. Donc apparemment faut que je la trouve, je sais pas où elle est, mais je vais quand même retourner à l'étage, vous savez, les postes de surveillance, quoi, voir, parce qu'il doit y avoir des trucs à faire là-bas, je vois pas du tout où aller à part cet endroit, quoi. Donc on va essayer de faire ça, j'espère que ce sera la bonne solution, parce que là honnêtement, putain, c'est super chaud, que je suis constamment bloqué, que c'est un truc de fou, quoi. J'ai jamais vu ça à ce point-là, quoi. Puis y a des trucs, c'est pas forcément évident, comme le coup du fusible, hein, pour la chambre froide. Faut le savoir quand même, quoi. C'est pas évident. Puis là, c'est bizarre qu'on puisse pas sauvegarder, quoi. Ça m'arrangerait. C'est ça qui est chiant qu'on puisse pas sauvegarder. Mais bon. Je vais aller voir là-bas parce qu'il y avait les deux pièces. Il y a peut-être quelque chose à faire. Quoi. Parce que sinon, je vois. Franchement, là, je vois pas. Quoi. Il y a une clé qui la quête pas. Je sais pas où. Mais moi, cette clé-là, je ne l'ai pas. Quoi. Attends, ici j'avais tout fouillé, hein, d'ailleurs. Oula, l'émulateur a un petit peu bugué. D'ailleurs, j'ai fait une petite sauvegarde manuelle, parce que j'ai un peu peur. C'est où déjà? Sauvegarder, voilà. Au cas où, parce qu'on ne sait jamais si le truc il plante, vu tout ce que j'ai fait, il fait péter un câble, quoi. Là, il n'y a pas de clé, on est d'accord. Je vais voir l'autre pièce. Voilà, il y a les munitions de lance-grenade. Ça c'est pareil, je sais pas où il est ce truc. Pourtant, il n'y a rien et je comprends pas, quoi. Enfin, le gars, il a une clé que j'arrive pas à voir. Je sais pas où il la trouve, mais... Parce que j'ai pas envie de faire chier à voir sa vidéo entière, du coup je regarde étape par étape en fait avec la miniature. Quand vous mettez le curseur sur la barre de temps, il y a une miniature qui apparaît, donc je vois dans quelle zone il est, je clique, quoi. Ça me fait chier de regarder sa vidéo entière juste pour voir où est cette putain de clé, quoi. Putain, là il y a des ennemis à gogo. Je regarde quand même combien j'ai de munitions. Ça se trouve, c'est sur les ennemis, mais ça me paraît bizarre quand même. Je vais quand même tenter. D'accord, il y a les deux. En mettant comme ça dans l'angle, je trouve que ça aide un peu pour tirer. T'as que des balles de flingue. Oh mon dieu. Cette putain de clé, elle était sur cette connasse depuis le départ, OMG, putain. Mais faut le savoir, putain. Le gars, il dit la clé de surveillance, enfin le poste de surveillance, il doit être fermé à clé, donc il faut aller chercher une clé. Mais putain, s'il faut buter tous les zombies, et j'ai pas de munitions infinies, mais en fait, c'est pour forcer les gens à niquer leurs munitions, quoi. C'est abusé, putain. Bon, au moins, je l'ai, mais...
J'aurais pas eu le réflexe, j'aurais encore traîné pendant un moment. Donc cette putain de clébard, tiens, hop. Oula, lui il a l'air d'être assez agressif. On va essayer de les esquiver quand même. Oh là là, ils sont rapides quand même. Ouais, je veux juste voir s'il y a des munitions dans la zone. Allez, remonte. Bon, ouais, non, là, je vais me faire choper, putain. Ne pas monter ce trou du cul, là, voilà. Il y a peut-être des objets, je préfère bien vérifier quand même. Donc, par hasard, il n'y a rien, quoi, juste pour me faire chier. Tant pis, hein. Oula, c'était limite. Oh putain, j'étais juste un peu trop pour ouvrir la porte. Ça y est, tous les zombies viennent là, c'est la fête. Ça, il est résistant lui. Peut-être changer d'arme là quand même. Voilà. Bon, j'ai perdu un peu de vie, mais. Ça nique des munitions leur histoire. Peut-être que. Non, il n'y a pas de corps, ok. Parce que là, s'il y a un boss, j'ai plus beaucoup de balles déjà, donc ça va être compliqué, quoi. Putain, mais ça m'énousse encore. Putain, ça a l'air d'être grand, ce temps-là, encore. Ah, il y a un petit zombie caché dans l'ombre. Oula, pris en sandwich. Et merde. Pistolet. Putain, mais y en a combien? Merde. Putain, 3 zombies, quoi, les salauds. Oh, en plus, même pas mort. Cartouche de pompe, ça fait plaise. Armure moyenne. Ça, ça peut être pas mal. Je vais la mettre parce que là, niveau vie, ça commence à baisser, mine de rien. Voilà. Je sais pas si elles s'usent, par contre, les armures. Ça a pas l'air, d'après ce que je vois. Mélange d'herbes vertes, ça c'est parfait, ce qu'il me fallait. Hop, voilà. Toi, on va te laisser où t'es. Vous êtes quand même assez nombreux, mine de rien. Donc je vais aller à droite après, hein. Je vérifie d'abord. Pas d'objets aux environs, que dalle. Bon, lui, je vais le laisser tout seul, hein. Je vais pas m'emmerder à le tuer, lui. Alors, qu'est-ce qu'il a à me donner? Les que dalle, évidemment. Là, c'est fermé. Là aussi. Là aussi. Ah, c'est des ascenseurs, en fait. Ok. Barry, j'entends Lucia. Elle est de l'autre côté de cette porte. Ok. Hop. Bon, ça va, j'ai récupéré des munes de fusil à pompe. C'est cool. Allons-y. Barry arrive au solarium. Oui. Et après... De là où il est, où il aperçoit... Hein, où il est? Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas vu la virgule. Il aperçoit Lucia pour chasser par une énorme créature hideuse. À l'aide! Lucia, ne le laissait pas s'approcher de moi. Si c'est ça la BO, ça doit être mon jour de chance. Je vois pas trop pourquoi. Oh mon dieu, je crois que j'ai parlé trop vite. Oula. Il y a des tentacules. Lucia, ah, chassez-le de là... Ok, bon, on n'a pas le choix. Combat obligatoire, je pouvais pas bouger. Allons-y. J'espère qu'il est pas trop résistant. Putain, il attaque vite, le salaud. C'est une blague? Mais tu supervises, bâtard. J'ai mis deux cartouches, le gars, il m'enlève toute ma vie, quoi.
Ouais, mais la partie, je l'ai sauvegardée il y a 1000 ans. Ah non, ça reprend ici? Ah bah ça va alors, s'il y a système de checkpoint. Par contre, j'aurais presque... C'est du gaspillage, mais j'ai pas trop le choix là. Je vais me soigner à fond, parce que là, la vie... les barres, elles sont parties en freestyle. J'ai le temps de rien voir, quoi. Putain, la vache, il laisse pas le temps de tirer, lui, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, c'est bon. Il m'a mis mal ou pas? Je vais voir après. La BO se dissout et prend la forme d'une sorte d'amide. D'amibe, pardon. Puis elle disparaît sans laisser de traces. Ok, donc ça veut dire qu'on va la revoir, ça c'est obligé, elle va se régénérer. Cette chose a disparu, je suis soulagé qu'elle soit partie. C'était affreux. Tu es blessé? Laisse-moi voir ton bras. Ça alors, pas une égratignure, j'aurais juré que tu étais blessé. Étrange. J'ai eu de la chance, n'est-ce pas? Oh oui, mais ne tentons pas le diable et ne nous attardons pas plus ici, ok? Reste près de moi, il se peut qu'elle soit toujours dans les parages. Non, elle est partie. Comment peux-tu en être aussi sûr? Je ne sais pas, c'est juste une intuition. Ah d'accord. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, allez, partons. À la recherche de Léon maintenant. Ok. Du coup, ouais, on a Lucia dans le truc, ça c'est cool. J'avais vu ça. Par contre, je sais pas comment on fait pour changer de perso. Comment on fait pour changer? Ouais, je sais pas. Ah, d'accord, c'est... Ah, ok, c'est B, ok. Je vais lui mettre le flingue. Ah, mais merde, faut lui remettre son fusil à pompe, putain. Parce que ça permet de switcher les personnages dans les combats. Et du coup, vu qu'elle est full vie par exemple, ça m'évite de gaspiller du sang, je peux me servir de sa vie. Donc ça peut être pas mal. Hop. Normalement c'est bon je pense. Et je peux jouer avec du coup. Après peut-être que le personnage change pas visuellement, je sais pas. De toute façon, ça change rien, je pense. Surtout dans les combats, au cas où, ça peut aider. Il y aura peut-être des munes là-dedans. T'es pas mal résistant, quand même, le tyran. Enfin, si c'est un tyran, bon, après, ça y ressemble beaucoup, hein, donc... ça m'étonnerait pas, mais peut-être que c'en est pas un, je sais pas. Mélange d'herbes, ok. Donc, apparemment, il y a des petites vagues. Ils sont quand même embêtés à faire des vagues, quand même. Faut pas le croire. Donc c'est tout. On va voir si les portes sont ouvertes. Ok. Oula, ici c'est infesté de zombies encore. Comment on fait pour changer comme ça, c'est bon ou ah non, ça re-switch sur Barry parce que j'aimerais combattre avec le flingue, mais s'il faut re-switcher à chaque fois, c'est pourri. Bon, je vais essayer d'esquiver. Super, ok, j'ai été carrément dedans. Oh là 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 là. Ah voilà, c'est en fait faut appuyer sur B en combat. Voilà. Cette clé sert à déverrouiller plusieurs ascenseurs situés... Ok, donc ça, je les ai vus, ces ascenseurs à côté. Y a rien d'autre? Bon, apparemment, c'était juste histoire de les péter pour choper la clé de l'ascenseur. Pas d'objet, rien, on va voir là-bas. Putain, j'arrive à peine. Oh, putain, ils viennent à deux. Juste carrément à côté. Ouh là là, elle fait très mal, elle. Me tue pas. La vache.
Elle a eu chaud là quand même. Elle a eu chaud. Encore un coup, c'était mort. Tac. Allez hop. À fond en vie. Voilà. Bon, lui il est en jaune, c'est pas trop grave. C'était chaud là quand même. Pourquoi ils mettent la tête de mort? Elle est empoisonnée. Oh putain. Herbe bleue, tac. Putain, j'avais même pas vu quoi. J'ai utilisé vraiment une herbe bleue parce que ça m'a donné de l'herbe. Je sais pas, ça m'a donné du soin en même temps. J'ai pas trop capté. J'ai dû cliquer sur le mauvais truc, je pense. Bon, y a pas d'autre objet apparemment. Ah si. Oh putain, mais leur lance-grenade, c'est... Faut vraiment que je le trouve, hein, parce que là... Ils en parlent tout le temps, ça. J'ai vu trois... Attendez, il y en a deux là-bas. Là, ça doit faire trois. Il y a au moins trois, voire quatre spots où il y a des munitions de lance-grenade. Quoi. Et pour s'en rappeler, ça va être chaud. Si on a un, je me rappelle très bien. Celui-là, bon, je vais essayer de m'en rappeler. Mais les autres, ça va être compliqué de tout mémoriser, quoi. Ah, je peux sauvegarder, ça c'est cool. Ascenseur, poste de surveillance. On va mettre en placement 3. Les autres, je savais même pas que j'allais sauvegarder, mais c'est pas grave. QG, Barry, vous me recevez? Barry, vous m'entendez? Répondez. 5 sur 5, à vous. Je croyais qu'on vous avait perdu, vous aussi. Alors, comment ça se passe là-bas? J'ai trouvé une survivante et je suis pratiquement certain d'avoir localisé la BO. Elle a encaissé toutes les balles, puis elle a disparu. Dommage pour la BO. Quoi qu'il en soit, nous avons de nouveaux éléments pardon, sur Léon. Nous avons déchiffré le dernier message qu'il nous a envoyé. Nous pensons qu'il se trouve quelque part dans la zone des cabines de première classe. Merci pour l'info, terminé. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas l'ascenseur pour descendre? Eh oui. Appelle-moi con. J'ai récupéré une clé, donc j'ai pas besoin d'avoir ton avis. Hop, voilà. Les autres éléments, je sais pas quoi ils servent pour l'instant, peut-être pour plus tard vu que j'ai pas fait ça dans l'ordre. Normalement Lucie en fait on devait la sauver depuis un moment, mais moi j'ai fait plein d'autres trucs entre deux. Forcément vu que je savais pas trop. Oula, c'est pas les cabines qui manquent ici. Il y a l'air d'y avoir pas mal de zombies dans la zone encore. La porte qui mène aux cabines de première classe est verrouillée, comme d'habitude. J'ai la clé des deuxième classes, ça peut-être vous aider. C'est gentil quand même. Non mais c'est quand même débile. Tu dis que la première classe est fermée, l'autre elle te dit j'ai la deuxième classe. Est-ce que ça peut t'aider? Ah non, enfin je sais pas, c'est pas le même endroit, mais bon. J'imagine qu'en allant en deuxième classe, on va trouver miraculeusement une clé de première classe. Je pense que c'est ça. Bon là j'ai pas trop le choix. Oh, putain, j'ai pas... À chaque fois je relâche avant, putain. Ok, un seul tir a suffi. Y a pas d'objet, rien. Je regarde la carte. En fait, je sais même pas où c'est les premières classes. Je sais pas si c'est à gauche là ou c'est carrément l'autre endroit où il y avait deux portes fermées où il reste un zombie dans l'ombre. Je sais pas si c'est là-bas ou pas, parce que là il y a beaucoup de cabines donc ça. Je pense que ça ressemble plus à un bateau normal quoi, parce que l'autre juste deux cabines c'est vrai que ça fait bizarre. Donc du coup je sais pas. Putain, et ça va les zombies à gogo là? C'est la fête au village ou quoi? Putain, évidemment c'est fermé. Donc là c'est fermé. À droite j'avais vérifié ou parce qu'il y avait la cinématique qui nous dit oui vous ne pouvez pas y aller c'est fermé, mais peut-être que si j'y retourne vérifier au moins avant de descendre ça serait pas mal. Voilà. Du coup je vais bien vérifier s'il n'y a pas d'objet, parce que quand il y a des trucs par terre comme ça je préfère bien être sûr.
Là, de toute façon, c'est que des ascenseurs. Et là, ouais, c'est fermé, ok. Je préfère être sûr. Hein. On va prendre l'escalier, du coup. Il me reste combien de balles de flingue, là? Parce que le fusil à pompe, il descend vite. 6 balles, ok. C'est qu'il y a du monde là-dedans. On va pas trop avoir le choix. Ça va, il crève en pas beaucoup de balles, je sais pas pourquoi, mais tant mieux pour moi. Je vais y aller au couteau là, juste histoire d'économiser des balles, parce que je pense qu'il va pas tarder à crever. Là, je peux pas le toucher parce qu'il est encore trop loin. Quand tu veux. Voilà. Ça, ça économise au moins une petite balle, quoi. Tac. Voilà. Évidemment, monsieur n'est pas mort. Du coup, la clé, elle sert peut-être ici, si c'est fermé là-bas. On va essayer. Ok, c'est pas là. Donc si c'est pas là, c'est forcément l'endroit où je disais, quoi. Enfin, ça paraît logique, mais... On ne sait jamais, on peut encore être surpris dans ce jeu. Donc... Ouais, c'est de l'autre côté. J'espère que c'est là-bas, qu'on tourne pas en rond pendant 10 ans. Mais c'est toujours des trucs à la con, quand même. Le premier épisode, c'est le fusil qui me fait chier. Le deuxième épisode, c'était une porte que j'ai pas vue. Et là, le troisième épisode, c'est juste parce qu'en fait, depuis le début, fallait tuer une zombie et récupérer la clé dessus, quoi. C'est quand même abusé, quoi. C'est pas là non plus. On va regarder la carte. Donc là, c'est verrouillé, c'est là-bas que je dois aller. Donc les premières classes sont ici, donc c'est peut-être pas un étage différent, hein, c'est pas là. Ouais, j'ai oublié un truc. J'avais essayé la clé ou pas? Parce que là, j'ai été vérifier là-bas, la porte qui est au milieu, là. Voir si elle était ouverte, elle était fermée, mais est-ce que j'avais essayé la clé? Ça se trouve, c'est là-bas, mais moi, je fais le tour comme un débile, mais... C'est peut-être là, en fait. Il me semble pas avoir essayé, en fait, je vais retourner. Désolé si je fais un aller-retour inutile, parce que honnêtement, je sais plus si j'ai essayé, ça se trouve, c'est ça. Et vu que j'en ai marre de me faire troller, je préfère vérifier, quoi. Il est déjà à 20 minutes, hein. Il est 14h50. Peut-être pouvoir en enregistrer une autre derrière. Si la batterie du portable suit, parce que là, ça commence à être bientôt à la moitié, et souvent, l'autre moitié descend 10 fois plus vite, quoi, limite. Donc, on verra. Bon, en tout cas, 3 vidéos, là, c'est pas mal. Ouais, donc faut remonter ici. On va passer par là, parce qu'il y avait une zombie en haut. Ça se trouve, c'était ça, mais... encore une fois... Le troll de l'extrême, et merde. Je suis coincé comme un connard. Je vais prendre l'autre ascenseur. Je vais faire... je suis obligé de monter d'un étage pour changer d'ascenseur. Parce que là, sinon, j'allais me faire avoir. Donc, j'ai pas envie de crever. Là, de toute façon, on y avait été. Enfin, j'ai pas envie de crever. Et surtout, pas envie d'utiliser une munition. Parce que là, c'est comme c'est tricrac, quoi. Laisse-moi tranquille. Hop. Non, c'est pas là. Mais putain, et je vois pas. Hein. Je comprends pas, moi, leur bateau il est bizarre hein, quand même. Les mecs, ils ont dû sniffer un rail de coke avant de le faire parce que putain. Là c'est fermé. Là aussi. Je pense pas que ça soit là-bas, ça paraît débile. Enfin, remarque si c'est deuxième classe, si c'est peut-être possible, mais. Ça paraît bizarre quand même. Ici y a rien. On va remonter au niveau 3 et au niveau 4.
Tout est ouvert, ok. Donc là, c'est fermé là-bas. Là-bas, c'est fermé, c'est obligé. Donc il reste soit à gauche ici. Ce qui me paraît bizarre que ça soit de la deuxième classe, que là on est au bout de la map, on peut pas aller plus loin. Ça serait vraiment très petit. Moi j'opte plus pour là-bas. On va aller là-bas, on va voir ça. Donc allons-y. À part là, y a pas de porte là-bas. Ouais. Qu'il me fasse pas le coup de la clé sur un zombie, parce que alors là, ça serait vraiment abusé, quoi, putain. Le nombre de fois ils m'ont fait le coup, ils m'ont fait ce coup-là, pardon. Verdict dans quelques secondes. Ça pourrait être de la deuxième classe après tout, hein, c'est truc des pauvres, donc je sais pas. Enfin, apparemment c'est pas long en tout cas. C'est vrai que j'ai pas essayé d'ouvrir du côté où il y a les zombies, les meufs, là, où on doit aller en rouge. Mais moi je pense que là où c'est en rouge, c'est la première classe, c'est là où on doit aller. Mais d'abord on doit aller en deuxième classe. À moins que c'est là-bas, mais du coup je sais pas, vous voyez, donc je pense que je vais tenter le truc en haut là. Et si ça marche pas, je retourne là et je vais essayer. Ça se trouve c'est ça, hein, mais je sais pas, je fais rien dans l'ordre, mais de toute façon là c'est complètement barré. J'espère que je serai pas hors cadre, hein. J'essaie toujours de me mettre au milieu le plus possible. Parce que si je dois recadrer la vidéo, déjà que le montage il est compliqué, parce que si vous voulez, il faut redimensionner l'image, ça va. Et ensuite la mettre au bon endroit pour que ça rentre bien dans le cadre, faut réajuster avec d'autres paramètres. Et ensuite, si je suis hors cadre, va falloir réajuster. C'est juste un truc de fou, quoi. C'est super chiant à faire, parce que forcément, faut le faire... on a une prévisualisation à droite sur le logiciel de montage, mais c'est petit, quoi. Enfin, ça fait un petit cadre comme ça, quoi. Enfin, c'est pas très grand. Et c'est pas forcément bien précis, quoi. Donc du coup c'est super chiant de réajuster, faire un test de rendu, voir ce que ça donne. C'est pas pratique du tout, quoi. Ah, faut que je prenne l'ascenseur. J'espère que ça va être là, parce que si c'est pas là, c'est l'endroit où j'ai dit. Ça peut pas être ailleurs techniquement. On va regarder la map encore, hein, mais ça peut pas être ailleurs là. Y a pas d'autres portes, on est d'accord. Bon, y a là-bas, mais ça c'était les ascenseurs, je pense. Enfin, il me semble. C'est des ascenseurs ou pas là-bas en fait, je sais plus. Je sais plus en fait. Au pire, on ira après parce que. Ah oui, il y a là-bas aussi, j'avais pas vu cette porte. Putain, c'est super long en plus. On va éliminer pièce par pièce. Je vais retourner par le haut, ça va être plus simple. Je vais gagner du temps en allant par là. Parce que sinon, faut que je me retape tout le chemin, faut d'abord que je descende, machin. En allant par en haut, je pense que je vais gagner du temps. Parce qu'il y a des pièces à vérifier en haut, il y a deux pièces qui me semblent être des ascenseurs, mais je préfère être sûr. Et là, j'avais fouillé. Ouais. Et puis, il y a une autre pièce tout au bout, qu'on peut peut-être aller via des ascenseurs. Enfin, je suis pas sûr, mais on va voir ça. Donc lui, on va éviter de lui parler. Et puis là-bas, on peut pas y aller, hein, au comptoir. Il y a un cadavre, mais... si on peut pas y aller, c'est qu'il y a rien à prendre, techniquement. Donc c'était ici, hein, il me semble. Ouais, c'est là.
Donc je vais voir. Ouais, c'est un ascenseur, ok. Pour être sûr, on ne sait jamais. Donc là, je vais revenir ici. Je vais voir si on peut ouvrir dans la zone rouge. Oula, ça va être chaud de se barrer d'ici. Je vous avais dit quoi? C'est là, c'est tout con. Ah là là, ça abîme. Et par contre, je me demande quand est-ce qu'on va choper le lance-grenade et le pistolet mitrailleur. Enfin, le fusil d'assaut, je crois qu'ils appellent ça. Un petit mélange d'herbes, c'est cool. Est-ce que j'en ai besoin d'ailleurs? Je vais vérifier. Ouais. Voilà. Alors attention où tu vas, toi. Putain, y'en a partout, là. Oh putain, je l'ai pas vu. Putain, mais quel con, quoi. On voit rien, c'est hallucinant. Là, je me suis dit, il va rien avoir. Putain, ça y est, tout le monde m'attaque, là. Putain, gaspillage de munitions. T'es sérieux de pas mourir, toi? J'ai plus de balles, là, comme ça, c'est fait. Bon, y'a pas d'autres zombies, ça va. Allez, ramène-toi. Ah, ça c'est cool. Putain, les munitions là c'est chaud. Il n'y a pas de bruitage, normalement il n'y a personne, on ne sait jamais. Putain, encore les trucs de fusil d'assaut, mais je sais pas où il est leur truc. Donc là c'est ouvert. Et c'est super grand en fait là où je suis. Là. Ah oui, c'est vrai, ouais, j'arrive là, j'avais oublié. Putain, il y a 36 salles à vérifier. On va d'abord aller dans celle-ci. D'accord, il y a une salle qui sert à rien, on dirait. C'est bizarre ça, il nous donne accès à une salle qui sert à rien, je trouve ça étrange. Putain, ça y est, c'est la réunion des zombies, quoi. Donc là, je suis dans la merde pour esquiver ça. Et merde. Et là, je suis dans le caca, là. J'ai plus d'armes. Bon, ça va. Ça, on peut... Il n'y a rien à ramasser. Hein. C'est bizarre, ça. Donc là, c'est fermé. Alors, il reste quoi? Ah mais si, il me reste des balles de flingue, mais j'avais zappé. Donc ouais, il y a encore plein de chambres là-bas. On va essayer d'esquiver le zombie, là. Voilà. Voilà, bah c'était dur à esquiver en même temps. Bon, ça va, elle est pas très résistante, celle-là. Mais il y a beaucoup de chambres, mais il y a rien à fouiller. Enfin, je comprends pas l'intérêt. Dans ce cas-là, il les laisse fermer, je sais pas, mais ils disent inaccessible, je sais pas, ils mettent un commentaire à ce que vous voulez, mais je trouve ça tellement débile. Je vois pas l'intérêt, quoi. Puis il a pas l'air d'être content, celui-là. Hop. Voilà. Ah. Armure légère, c'est mieux que rien. Alors, chambre suivante, il y a 36 zombies en plus à chaque fois. Oh, lui, je pense que je vais pas le tuer, hein. Je vais pas m'emmerder. À moins qu'il faut tuer les zombies pour choper les clés, là, ce sera encore un truc de salaud. Mais ils en seraient capables. J'ai d'abord tout fouillé, puis après on verra bien, hein. C'est trop, faut les tuer, mais c'est pas une priorité. Je sais pas si j'ai été ici. Non, j'ai pas été. Est-ce qu'il a des choses à me donner? Non, il y a plein de corps, mais on peut rien examiner, ça qui est chaud. Est-ce que je peux l'attirer ou pas?
C'est abusé là, putain, je suis sûr à un pixel près c'était bon quoi. C'est salaud ça. Puis y'a aucun cadavre qui laisse des munitions. Oula, le CMTEC c'est un explosif très puissant. N'hésitez pas à l'utiliser, il pourrait entre autres vous permettre d'ouvrir un coffre-fort. Pourquoi pas? D'où l'extincteur peut-être, je suis en train d'y penser. S'il y a une explosion, c'est possible qu'il y ait des flammes. Donc ça peut être ça, ouais. Bon, en tout cas, il n'y a rien. Mélange d'herbes, ouais. Alors lui, est-ce que je vais pouvoir l'esquiver? Et non, putain. Ah là 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 là, foutu zombard. C'est marrant, il m'attaque plus, là. Enfin, je sais pas, ils sont en mode guimauve, les gars, alors que tout à l'heure, c'est... Dès que j'arrive devant toi, j'attaque. Ils ont pas les mêmes réflexes, je sais pas pourquoi. Le jeu devient plus simple, c'est bizarre. Allez, viens par là. Allez. Voilà. Crocheter des serrures lorsque vous n'avez pas la clé. Ok, ça c'est cool. Donc je pense que les cabines qui sont fermées, on va peut-être pouvoir les crocheter du coup. Merde, il y a un objet à prendre en plus. Bon, je crois que j'ai pas le choix là, à moins que... C'est tendu quand même. J'ai essayé de l'attirer vers le bas. Allez, viens, connasse. Bon, peut-être que là, je vais pouvoir y aller. Hop. Cartouche de fusil à pompe, c'est cool. Oh, c'est merde le sandwich. On peut rien faire. Là. Évidemment, c'est à plaider deux. Comme toujours, là vous voyez il m'attaque direct, c'est bizarre. C'est assez aléatoire de ce côté là, j'ai l'impression. Voilà, bon là je suis à sec quoi. Enfin j'ai récupéré des balles de pompe mais vu tous les ennemis là c'est chaud quoi. Donc il reste quoi à examiner? Bah ouais, les trois autres quoi. Je vais regarder les munitions de pompe. J'en ai 8, c'est tout. Je vais pas aller loin avec ça. Donc on va examiner les trois dernières. Et puis on verra ce que cachent ces cabines. On a récupéré pas mal d'objets de quête là en tout cas. Alors, crochet, voilà. C'est débile là, ce truc-là. On entre, on se fait direct enchaîner, quoi. Enfin, je vais essayer de le faire au couteau. D'accord. Pas très résistant. Celui-là, je vais attendre. Hein. Je vais pas me faire chier à switcher avec le fusil à pompe. J'ai violé là. J'ai eu le temps de rien faire. Alors, cette clé vous ouvre les portes des cabines deuxième classe du niveau 3. Je sais pas trop là où ils veulent en venir. Ah, bah voilà. Ce fusil entièrement automatique n'offre pas une grande précision mais inflige de sérieux dégâts. Enfin, une nouvelle arme. Donc, qui dit nouvelle arme dit munitions à récupérer, sauf que ça va être cool, elles sont complètement pétées de partout, les munitions. Donc ça va être super chiant à trouver. J'étais déjà allé ici. Bah non, pourtant. C'est peut-être parce que j'ai utilisé l'objet, donc... du coup... Oh, j'ai essayé de la faire au couteau, celle-là.
Ça va, elle est pas trop violente. Pas d'objet, que dalle. Les balles de fusil d'assaut, du coup, il y en a 16 déjà dedans. Bon, ça va. Merde, ça clignote. Putain, merde, je suis empoisonné. J'ai pas fait attention tout de suite. Normalement, avec ça, c'est bon. Ouais. Saloperie de monstre. Toi, tu me touches pas. Et là, c'est fermé. Peut-être en utilisant la clé. Voilà. La corde, je sais toujours pas à quoi elle sert. Je sais pas, il me donne des items depuis le début. C'est génial. Alors, c'est quoi ça? Cette clé vous permet d'entrer dans les cabines de première classe. Donc voilà, moi je sais où aller après. Et ça a l'air d'être tout pour l'instant. Ah, Barry, bon, maintenant que nous avons la clé des cabines de première classe, nous pouvons partir à la recherche de Léon. Génial, je viens avec vous. Ok. Fais-toi plaisir. On peut sauvegarder, c'est cool. Hop. Petite esquive qui passe tranquillou. Je regarde la map au cas où. Ouais, c'est bon, j'ai tout fouillé. Allons-y. Bon bah ça va, là, j'arrive. C'est toujours des trucs à la con, je fais des allers-retours. En fait, j'essaye pas, mais... Pourtant, j'essaie de me mettre à la place d'un abruti et de tout utiliser, mais... J'utilise pas tout, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi, je sais pas, c'est tellement débile, des trucs... J'essaie de pas me faire toucher, là, ça serait pas mal. Se passe quoi, là? Pourquoi ça me met le rythme cardiaque? Je suis pas empoisonné? Elle est empoisonnée, elle? Ça clignote pas, on est d'accord, hein. Je comprends pas. Lucia, attendez, c'est ce monstre, je le sens, il est dans les parages. Hein? Où ça? Je n'arrive pas à le localiser, mais je sens qu'il est tout près. Normal, le gars il vient comme ça, salut. Faudrait peut-être que... Ah non, c'est bon, j'avais équipé l'arme. Putain, c'est rapide ce truc. Si je vise pas dedans, ça va. Ça a l'air d'être puissant quand même, hein, mais j'ai un peu visé à l'arrache. Hé, hey, Lucien, que se passe-t-il? Comment savais-tu que cette chose serait ici? Je vous ai dit que je sentais sa présence. J'aimerais pouvoir te croire, j'ai plutôt l'impression que tu me caches quelque chose. Je la sens encore, elle est tout près. C'est une blague ou... Non... Le monstre a enlevé Lucien, d'accord. Le gars, il est juste à côté, il arrive à se la faire enlever. Puis, il a disparu, ok. Bon bah salut Lucien, merci d'être venu. Hop. Alors c'est parti pour le fouillage. On a combien de temps? 15h10. Ça va être chaud niveau batterie, je sais pas si je vais pouvoir en enregistrer un par la suite. Un lit à baldaquin, normal. On voit que c'est de la première classe, ça change de gamme. C'est carrément autre chose quoi. Enfin, remarque, les deuxièmes classes, c'était pas trop mal, quand même. Ils avaient leur petite armoire et tout. C'était quand même bien, bien fait. Et là, c'est un rang au-dessus, quand même. Il y aura peut-être le fameux coffre-fort à trouver, je pense. Toi, t'approches pas. J'ai tout gagné. J'arrive pas à viser, je suis vraiment... C'est ça que je craignais le plus dans le jeu en fait, système de visée. Bah ça va, y en a combien là? Putain, je gaspille mes munitions à mort. Je vais attendre qu'il se rapproche. C'est horrible. J'ai eu très mal. Putain, ils m'ont encore empoisonné. Putain, j'ai pas d'antipoison. J'ai pas d'antipoison, putain.
Voilà, champ qui sert à rien avec des ennemis. Si j'avais su, je serais pas venu, putain. Il a l'air d'être bizarre, ce gars-là. Ah, c'est peut-être ça le coffre-fort, non? Je vais essayer. Putain, j'espère que le poison il baisse pas trop vite, hein, parce que là j'ai rien. Ça marche pas, c'est pas là. Hop, 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 tu me touches pas. C'est l'émulateur qui rame, j'ai l'impression d'être ralenti au taquet ici. Par contre, lui, je vais pas avoir le choix. J'ai plus de balles nulle part, franchement. J'espère que la fin du jeu n'est pas compliquée, hein, parce que là, je crois que c'est mal parti. Je pense qu'on a quand même bien entamé le jeu depuis tant, et j'avoue que... Ok, c'est super. Et pour le prix, il est pas mort en plus. J'ai réussi à l'esquiver, je sais pas comment j'ai fait. Tant mieux. Il y a des zombies partout ici, j'ai même pas d'armes quoi. C'est pas possible. Bon, je vise un peu mal, j'avoue, mais il y a trop de zombies par rapport aux armes qu'on nous donne quoi. Je vais crever là. Meurs. Mais crève. Mais putain, il crève jamais. J'ai mis trop de coups de couteau. Putain, je suis deg. Si je fais reprendre, ça m'emmène où? Ah, ça me ramène là, mais c'est... En fait, c'est cool, il y a des checkpoints partout, en fait. Je pensais que c'était 10 fois plus dur que ça, mais non. Mais putain, le poison, c'est une horreur, ce truc. J'espère qu'il y a des objets derrière, parce que sinon, je me laisse crever, quoi. Cet tarif-là... Je fais les deux en même temps. Putain, la vie, elle descend au taquet. Moi, je suis mort. Ok. C'est reparti. Est-ce qu'il y a un objet, putain? Faudrait que j'arrive à y aller pour voir s'il y a un objet. Ça se trouve, je fais ça pour rien, quoi. Tu m'as repentu, mon gars. Ils sont hyper résistants, là, au couteau, je sais pas pourquoi. Il va me tuer, hein, ça, c'est clair. Voilà. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais... On se dit à la prochaine. Quoi, j'appuie pour me barrer, ça va être si le combat, quoi. Ça va, la vie, il m'enlève une barre et demie comme ça, normalement. Il n'y a pas d'autre arme. Je vais me soigner, mais qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai plus de soins, j'ai plus de balles, donc... C'est magnifique, je peux rien faire. Voilà, bon, il m'a pas touché là. Balle de pistolet, c'est mieux que rien. Il y avait des choses ou pas? Parce que là, mélange d'herbes, ça rattrape un peu. Ouais, il y avait rien qu'on. Ça valait le coup de venir. Ah là là. Évidemment, il y en a encore d'autres. Je vais pas pouvoir partir là, je crois. Faut que je me déséquipe. Je vais prendre le pistolet. Tant pis, je vais devoir m'en débarrasser parce que là, il me bloque la route, donc j'ai pas le choix. On est bientôt à 50 minutes. Les parties sont quand même longues, hein, de Hero Gaiden, mais c'est parce que je galère, en fait, et du coup... je vais essayer d'avancer dans la vidéo, c'est pour ça.
Larry, ça a l'air très profond. Attention, ça doit être Léon. Barry descend le long de la corde pour atteindre Léon. Léon, réveille-toi. Léon reprend conscience. Ma tête, Barry, qu'est-ce que tu fais là? Les gars du QG ont paniqué quand ils n'ont pas eu de nouvelles de toi. Alors ils ont fait appel à moi pour sortir ta vieille carcasse de ce bateau. Je vois, désolé de t'avoir entraîné là-dedans, attends un peu. Il y avait une fille avec moi. Oui, je sais, Lucia, c'est bien ça, le monstre l'a enlevé. Tu veux que je te dise, il y a un truc qui me dérange chez cette fille. Quoi? Eh bien, elle a cet étrange pouvoir. C'est peut-être elle, la BO, que nous cherchons. C'est ça, je te rappelle qu'elle s'est fait enlever par le monstre. Ça ne te suffit pas comme preuve? Eh bien oui, mais... Écoute, en ce qui me concerne, je suis persuadé que l'amibe, je sais pas ce que c'est, est la BO que nous cherchons. Et à moins qu'on me prouve le contraire, tout ce que je ferai, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour sauver la dernière survivante de cet enfer. Tu as raison, j'ai vu un poste de surveillance en venant ici. Nous pourrons peut-être la localiser avec les caméras. Bon, moi je sais où aller. Du coup, j'ai utilisé la corde. Ok. Sauf que j'ai pas vérifié la dernière cabine, il y en avait une qui était fermée. Donc c'est cool quoi. Ah, je peux sauvegarder. Mais écoutez, on va s'arrêter là du coup, s'il y a une sauvegarde, on va pas s'en priver. Bon, on a quand même bien avancé, je suis assez content. Mais putain, c'est quand même assez difficile, hein. Faut pas se mentir. Au moins là, ça va ouvrir une zone apparemment à gauche. Une zone que je me disais quand est-ce qu'on va l'ouvrir, et finalement je crois qu'on va excéder maintenant. Donc j'ai rien d'autre à dire, hein. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. De toute façon là j'enregistre à la chaîne, donc je pourrais pas forcément vous répondre en live. Mais c'est plus simple pour moi parce que là le montage, il y a quand même beaucoup plus de boulot. Et du coup je préfère le faire en avance, puis j'en profite aujourd'hui, quoi, j'ai du temps. Je vais peut-être en enregistrer une autre derrière, je vais voir par rapport à la batterie. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, à plus.